sasa kumemuri mena. Que je vais aller dans mon café, j'ai une petite crainte parce qu'il sait que arrivé là-bas, mon roi va toujours me créer les problèmes. Il va toujours me créer, il a toujours quelque chose pour m'énerver. Mais souvent aussi, quand tu t'assois, tu imagines, tu te dis que je suis responsable. Vous voyez que donc je suis le seul responsable de ce qui m'arrive parce que mon roi n'a jamais fait un jour à l'école. On peut pas créer une entreprise comme le café que je viens de faire et puis prendre un monsieur qui n'a jamais fait un jour à l'école. Et voilà, il est là. Je ne peux pas le chasser. Parce qu'il est au courant de tous mes mouvements. Malheureusement, il est au courant de tous mes mouvements. Chaque fois que je veux le chasser, il trouve un prétexte, il me chante, il fait un chantage. Moi, aujourd'hui, là, je suis prêt pour lui. Si je fais, il me dit quoi que ce soit, c'est que ce sera sa fin. La fin de son travail chez moi. Ça, c'est pour moi. Vraiment, l'heure des ventes de café, là, ça arrivait encore. Mais quand il réfléchit qu'il est parti là, moi, mon gars, quand il est arrivé là-bas, là, mon patron est venu me créer assez d'ennuis encore là. Vraiment, j'ai peur de partir. Mais il fait comment? Le gars là, il va venir m'embrouiller encore. Celui-là, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Tu ne vas jamais venir ici le trouver inassis. Tout le temps dans les petits trucs bizarres, bizarres. Ça, il me faut un bon quelqu'un pour gérer ce café-là. Patron, dis quoi? Tu es qu'il y a aujourd'hui là, tu es arrivé vite, vite là, parler sur le sol. Vraiment, je suis en train de placer les choses. Je suis très fâché. Hein? Oui, il s'est énervé. Comment ça? Ah, tu ne peux pas comprendre. Imagine-toi un vieux de 65 ans. Ouais. Il enceinte sa bonne. Tu dis quoi? Oui. Ouais. Il enceinte sa bonne. Hein? Non, mais lui, il est trop fort. Quoi? Un vieux de 65 ans. Oui. Alors, tu dis, il a fait quoi? Il a enceinté sa bonne. Et puis, la fille a 12 ans. Une yes! petite fille. Non, mais le vieux, ben, il est trop puissant. Oh. Mais attends, Moro, moi, je ne comprends pas chez toi. C'est-à-dire, tout ce qui est gauche, tout ce qui n'est pas bien, là, c'est ça, toi, tu conçois. Ah, mais patron, tu dis, le Moro, le vieux, ben, il a enceinté, non? Oui. C'est sa servante. Sa servante. Ou bien sa bonne? C'est même chose là, servante bonne, c'est même chose là. C'est même chose là. Bon, oui. Il a enceinté ça. Oui. Et puis, on lui demande, il dit, ok, sa femme a voyagé, donc lui, comme ça, il n'a rien à dire même. Patron, moi, je pense que ça, là, c'est pas un problème, ouais. C'est un problème, hein? La fille a 12 ans, lui, il a 65 ans. Sa petite fille. Ah, donc, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Ah. Coulo, c'est mon gars qui vient, patron, lui qui vient là. Oh. C'est mon gars, là. Coulo, coulo. Ouais, patron. C'est comment? Hey, ça va un peu. Ça va un peu. Ouais, non, 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 c'est bon. Ah, mais patron, lui, c'est bon. C'est bon. Ouais. Non, laisse tomber. D'accord. Non, tu vas me montrer le cul. Maman, bon. Tu as pris, elle a fait rien. Non, c'est Dieu. Hein? C'est qui fait tout. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Oui, oui. C'est pas faux. Ouais. C'est Dieu qui est fort. Ouais, d'accord. Ok. Bon, il lance. Il y a Vadra. Et après, c'est Wélé. Ouais, et puis, on a Zénia qui fait. Lui là, il a trop de chats. Il va trouver comme ça là. Quand il est malade, c'est le président de la République de soins. C'est ton ami? Ouais. Mais toi, mais pourquoi tu t'accompagnes là comme ça? Tu peux pas changer de compagnie? Quelle compagnie? Un vanipier comme ça? Lui là! Quand tu vois la mort là? Lui là, qu'est-ce que tu vois là? Il faisait la sécurité chez un papa. La quoi? Il surveillait la maison quoi. La sécurité? Voilà, c'est même ça là. Il faisait ça chez un papa. Le papa il était dans le quartier ici. Quand il a gagné l'argent, il est devenu ministre, il est parti dans l'air Ribera là, où on appelle Ambado ou Ambado là. Ce qui est normal. Voilà, il est parti rester là-bas. Donc il a pris tout pas vilain comme ça. Il est dedans avec sa femme, et sa jolie fille, vous pouvez dire, pas ta jolie chocolatée ça. Donc c'est mon gars là, c'est lui qui faisait la sécurité là-bas. Tu vois non? Donc maintenant la fille elle est là, elle veut sortir. Maintenant quand elle va à l'école, elle vient. Son papa ne veut pas qu'elle soit à la maison. Elle va faire comment?
elle a envie, tu vois, non? Donc, elle a vu le mort de côté, lui, il a récupéré ça. Il a mis un bolo ça, il a mis ça en glosaï. Quoi? Au lieu qu'elle va aller chercher le garçon ailleurs, là. Lui, il a encerté ça. Attends, vanille pied là? Qu'est-ce que ça? Lui, là, le vanille pied là? Oui! Hé! Hey, là, c'est un mort de loc, hein? C'est un mort de quoi? Il a la chance, quoi. Il a enceinté la fille du boss. Là. Actuellement, lui, tu le vois là. C'est le ministre même qui gère tous ces bouffons. Tu dis quoi? C'est moi qui te dis ça. Donc, c'est la fille là. Papa de sa femme l'a envoyé la fille en France. Voilà. Tu vois, non? Mais attends, le bro. Ouais. Quand toi, tes amis, il n'y a pas bon dedans. Il n'y a pas bon dedans. Regarde comme ça là. C'est tout. Dieu merci pour lui. Son patron, son papa l'a envoyé en Vengue. Attends. Moro, tu me déçois quand même, hein. Toi, tu n'as pas de bonne compagnie. Il va les pieds comme ça. C'est ton ami qui est celui-là. Et puis tu dis, non, Moro, tu veux qu'il me salue? Moi? Ton patron? Il a sécurisé la fille. La petite, elle vient de sécuriser ça aussi. Ah, donc tu es d'accord avec ce qu'il a fait? Ah, moi, il n'a pas dit je suis d'accord. Hein. Mais si moi, il gagne, ça n'a pas laissé. Ah bon? Ah oui, mais c'est clair. Donc si tu comprends, mais si il t'envoie chez moi, c'est ce que tu vas faire? Non, mais je n'ai pas dit, il fait ça. Si tu m'envoies chez toi. Mais il si il gagne, il n'a pas fait. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Lui-même, là. Lui-même, là, c'est pas, il vaut rien. Lui a tapé qu'un seul enfant. Si c'est moi, là, il est même gros, aïe. Jumeau, même. Comment? Jumeau, bien, Simel. Hein? Ah, mais c'est ça. Non. Mais patron, on fait comment? Aujourd'hui, même, je comprends pas. Hein. Des fausses nouvelles seulement que j'ai. Ah, mais patron, mais vous aussi, quand un gars t'a appelé tout sur la table, quoi? T'as dit, tu veux pas décrocher? Oui, tu croches pas. Ah, non, mais tu vas aller voir, c'est ton ancien ami du quartier, c'est ton camarade. Aujourd'hui, tu es un peu, tu as déménagé et tu veux pas que quelqu'un te parle. Au lieu que la fille va aller se donner à quelqu'un d'autre Dieu là-bas, lui il a sécurisé la fille. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu es un vanipieux comme ce monsieur, on peut pas t'appeler, viens assurer la sécurité de la maison, on te paye. Et toi, ce que tu as donné comme bénéfice, c'est d'enceinter la fille du monsieur. C'est pas normal. Mais patron. Normal, celui un monsieur comme ça, on doit le mettre en prison. Il doit vivre toute sa vie, se donner une vie en prison. Ouais, que le mort regarde comment il est. Regarde, il doit passer sa misérable vie en prison ou bien il doit passer le restant de sa vie en prison. Mais ça, c'est blanc. Ça va pas être quelqu'un a pris grossesse hein, avec un pauvre, que la paix ou bien ta fille a pris grossesse avec un pauvre, que toi, le patron, tu vas prendre le pauvre là, tu vas le mettre en prison. Mais ça, c'est blanc. Ça, c'est avant ça. Maintenant, là, tous on connaît la loi. Le pauvre qui est là, il connaît ses droits et puis ses devoirs. Vous ne pouvez pas attraper un pauvre comme ça, parce qu'il est enceinté, votre fille doit le mettre en prison. C'est trop blanc. Comment il va passer sa vie en prison? Parce qu'il est enceinté, quoi. Oui, c'est pas normal. Il va enceinter pourquoi? Est-ce que lui et puis la fille, elles sont de même catégorie? Ah, mais elles sont de même catégorie. Mais la fille, parce qu'elle est riche, quoi, c'est ça? Oui, normalement, elle est riche, oui. Et lui, il est pauvre. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, patron, ça là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, parce tu peux pas être d'accord, mais c'est la vérité que je te dis. On va dire ça là. On va dire ça, patron. Vous, quand vous gagnez l'argent net là, vous pensez que les autres là, c'est tapette quoi. C'est pas la même chose, patron. Non, c'est pas ça. Faut boire café. Celui qui a la... Non, c'est faut boire café, tu vas te tranquilliser. Non, je prends pas café. Hein? Mon cœur est trop chaud, je prends pas café. Non, patron. Mais ça, le pauvre aussi, le riche là, il n'est rien. Parce que lui, il est riche, donc lui, sa fille, le pauvre doit pas faire enfant avec lui. Non, ça, jamais ça peut pas se passer. Je suis pas d'accord. Ça peut pas se passer. Oiseau et puis poulet ne peut pas marcher ensemble. Ah, mais si tu vois qu'il est riche, il est parti de l'autre côté. C'est parce qu'il ne veut pas que vous l'approchiez. Que le pauvre et les riches, qu'ils ne sont pas la même chose, il ne peut pas se marier ou bien il ne peut pas prendre grossesse. Ça, il a menti. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. S'il veut, il n'a qu'à me tuer. S'il veut, il n'a qu'à me chasser. Ce n'est pas ici là seulement qu'il y a travail. Là. Voilà. Comment tu peux dire, ouais, poulet et puis oiseau, il peut pas marcher ensemble. Comment poulet et puis oiseau ne peuvent pas marcher ensemble? Ils ne peuvent pas marcher ensemble et puis les deux ont les ailes. Voilà, disent les deux se croient là, ça veut dire que quelque part là, ils peuvent marcher ensemble. Voilà, c'est moi qui commence ça. Et elle dit ça, voilà. Il faut que son oreille attend. C'est vrai, il faut que les riches aussi puissent comprendre que nous les pauvres, là, on n'a pas demandé à devenir pauvres. Ah mais, s'il ne veut pas qu'on s'approche, mais pourquoi il prend un pauvre pour aller le sécuriser? Et c'est pour lui donner quelque chose. C'est tout? Voilà. Oui, c'est pour lui donner quelque chose, c'est pour assurer la sécurité. C'est le pauvre qui est pauvre là, qui doit le sécuriser, non? Oui. Vous n'avez pas que les bandits n'ont qu'à venir le tchard. C'est ça même. Le pauvre l'a sécurisé, mais puis il a protégé sa fille. Hein? Voilà. Mais lui, un gars comme ça, sécurisait tout la famille. C'est vrai, il a cet égo là. Celui que j'ai pris dans la rue pour me là, il va me créer des histoires bizarres, dormir debout. Mais souvent, quand je m'assois, je me dis non, je suis responsable de ça. Non, patron, ça là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Non, parce tu peux que... pas être d'accord, mais c'est la vérité que je te dis. Mais ça, le pauvre aussi, le riche là, il n'est rien. Parce que lui, il est riche, donc lui, sa fille, le pauvre ne doit pas faire enfant avec lui. Ça, non, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Ah!
Donc ça c'est pas normal. Maintenant, tu dis aujourd'hui là même, tu n'as pas bonne nouvelle, c'est rentré, soit ici. Voilà, tu parlais de quoi même aujourd'hui même? Un monsieur, un vieux de 65 ouais. ans, ouais. qui a enceinté sa bonne de 12 ans. Ouais, maintenant tu dis c'est pas bon, c'est ça? Oui, c'est pas normal. Mais c'est quoi qui n'est pas bon dedans même? Oui, mais la fille, elle a 12 ans et lui, il a 65 ans. Comment il va enceinter la petite fille? Ah! Patron, toi-même, moi, il te comprend pas, hein? Non, c'est toi, moi, il ne comprend pas. Parce que tout ce qui est gauche, c'est ça, toi, tu supportes. Non, moi, c'est pas question de supporter. C'est pas question de supporter. Mais toi, patron, maintenant, tu connais la vérité. Le vieux de 72 ans qui a enceinté une servante de 12 ans. C'est vrai que ça, c'est pas normal. Un vieux ne doit même pas coucher avec un enfant de 12 ans. C'est pas normal. Mais les gars, en cas, c'est dit la vérité. Nos mamans, là, souvent, là, dans le foyer, là, ils s'en foutent des vieux morts. Tu vas aller voir le vieux morose souffre matin, midi, soir, comment à tout le monde. On dit, oh, le vieux, il est compliqué, il est rentré, sorti ici. Ah, mais il va faire comment? Il va faire comment? Quand tu arrives dans une famille autour, aujourd'hui, là, c'est la servante qui doit tout faire. Manger, là, c'est la servante qui envoie. De l'eau pour aller se laver, c'est la servante. Pour balayer la maison, c'est la servante. Pour venir essuyer la tête du monsieur, c'est la servante. Bon, les gars, la servante a déjà tout fait. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est pour prendre grossesse. Elles sont payées pour ça. Elles sont payées pour ça. Oui. Pour balayer la chambre, c'est oui. la servante. Pour faire le lit, c'est la servante. Pour déposer l'eau du mari, c'est la servante. S'il a oublié ses vêtements dans la maison, s'il demande à envoyer ses vêtements, c'est la servante qui va aller donner. Ah, mais. Bon, maintenant, tout ce qui reste là, c'est quoi la servante doit donner encore? À part elle-même. Oui, mais quand tu regardes son âge là, tu vois. Ah, mais c'est elle-même, elle sait qu'elle n'est pas arrivée. Mais pourquoi elle a pris grossesse? C'est la question qu'on se pose. C'est parce que le vieux est parti là-bas, c'est vieux. Non, patron, pas de... Moron, faut que tu comprennes ça. C'est un vieux. Ouais. Il est vieux. Il a 65 ans. Toi, tu as fouillé même l'équipe, il a 70 ans, 80 ans.